Le regroupement politique Action pour l'unité du Congo fustige la déclaration de la Commission électorale nationale indépendante. Dans cette déclaration faite ce mercredi à Kinshasa, les membres de l'AUN demandent aux évêques catholiques d'être l'église au milieu du village pour faciliter les bons déroulements des élections. L'Action pour l'unité nationale a suivi avec stupéfaction et regret la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco en sigle, allant dans le sens de crisper l'univers politique congolais alors que les acteurs sont appelés à préparer leur tour pour les élections en cours. L'AUN constate avec déception la volonté des évêques à imposer leur candidature à toute la République. Par ricochet, ils font fi à la force de l'électorat du peuple congolais. L'AUN rappelle que le principe de la laïcité du pays en RDC est constitutionnel. Pour ce faire, la CENCO doit assumer sa minorité et se préparer à battre campagne par les évêques qui seront candidats. L'AUN appelle le chef de l'État à n'entendre qu'un seul son de cloche déjà défini par le peuple, l'unique souverain, qui est d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est cette raison qui l'a poussé à s'enrôler massivement.